Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Dredge. Dans ce troisième épisode, hein, épisode clé bien sûr. Hein, puisque c'est à partir de là que. Pourquoi j'ai des reflets de lumière chelous sur mon bateau? Il y a un vent de magie hein, qui souffle visiblement. Petite esquive latérale, gauche-droite. Dans cet épisode, on va justement aller voir cette épave derrière là, qu'on nous a invité à aller voir. Donc, laissons ça ici. Non, je m'en fiche de ton machin. Moi, je voudrais rester sur la loupiote. Parce que j'ai vu une fois qu'on me l'avait coupé. Bah voilà, une épave de bateau. Très bien. Très très bien, très joli. Inspecter. Il ne reste plus rien de ce navire qu'une vieille carcasse vide. Vous vous approchez encore un peu. Regardez à l'intérieur. Et ben bingo. Excusez de s'avancer pour jeter un coup d'œil. Des chaînes, du loot, des machins, des trucs et des conneries. Parfait. Excellent. Et quelques petits poissons aussi, je vois. Un petit poisson, c'est quand même midi. Par contre, on serait mieux que là. Un caillou noir. La pierre murmure doucement, semblant faire onduler l'air autour d'elle. Des formes évanescentes dansent à sa surface, disparaissant avant que vos yeux puissent se concentrer sur elle. Passez ma main sur la pierre. La pierre froide ne réagit pas. Ça sent le bail à revenir de nuit, hein. On va vers où, là? Là, on va vers le sud. Non, j'aimerais juste draguer du stuf. Là, ça fait des bulles rouges. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai envie d'aller voir les bulles rouges. Bah vas-y, on lance la drague. Merde, je me suis planté. Touche! Je suis nul. Merde! Mais je suis vraiment nul, c'est pas possible. Oh, je suis trop vieux pour faire du jeu vidéo. Oh, je vais me mettre à la couture. Hein. Oh, je vais vraiment me mettre au tricot. Hein. Une bonne grosse clé énorme, ornée. Clé anormalement grande et lourde, faite d'un métal inconnu. Ses dents sont courbées et s'agitent sous vos yeux comme des boucles. Tu m'étonnes que j'ai galéré à la remonter ton truc. Du poisson. Non, moi je prends pas de poisson là. Vraiment, je prends juste du dragging. Et je vais aller voir le gars. Excusez-moi. Ça, il semblerait que ce soit des poissons, mais ça fait des lumières cheloues. Donc ça fait des lumières cheloues. Ah. Oh. C'est le poisson magique. This is the magic poisson. Voilà. Non, j'aurais pas d'autre. J'ai pas d'autre place. On est arrivé tout loup. Tout loup, il est pas content. Si j'éteins la lumière? Pas sûr que j'ai un navire qui me colle le cul. De ouf! Alors attends, si je fais un petit corne de brume. Ah oui, je vois pas des navires dans la brume. Un peu chelou ta night quand même, hein. Le manoir en ruine. Vous entrez dans la maison du collectionneur. Celui-ci se tient au fond de la pièce et tient un livre argenté pour preuve. Il semble impatient. Alors vous avez trouvé quelque chose? Faites-moi voir. La clé. Vous lui tendez la clé. Le métal froid brille d'une lueur étrange. Tandis qu'il la tient. La forme de la clé, ses dents et sa tête semblent être plus petites. A-t-elle toujours été comme ça?
C'est tout. Où est la serrure? Le collectionneur s'agace. On dirait que les objets qu'on cherche ont voyagé plus loin que je ne le pensais. Beaucoup plus loin. Dans ce cas, permettez-moi de vous aider dans vos voyages. Il feuillette quelques pages de son livre et marmonne quelque chose dans sa barbe. Un rayon de lumière vous éblouit et vous reculez en titubant. Capacité débloquée, célérité. Une rapidité d'enfer à un certain prix. Allez, nous avons d'autres reliques à découvrir. Mon intuition me dit que le courant a dû charrier des débris jusqu'au sud-est en direction des falaises de Soufflevent. Cherchez là-bas. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer votre recherche. Autre chose ? Oh non, rien, au calme, hein, mec. Hein. Tout ce que tu fais me paraît être extrêmement sain. De corps et d'esprit. Et etc, etc. Qu'est-ce que je veux, moi ? Moi, ce que je veux, c'est... Parce que c'est vrai qu'on pourrait faire son truc à lui, continuer dedans. Mais j'ai envie de contourner ce village-là. Je veux trouver, idéalement... Le... C'est du dragging, ça, hein ? Ouais, c'est du dragging. Voilà, j'aimerais trouver le métal pour, en fait, la madame. Ça, je fais sa quête et on n'en parle plus. Et tout le reste, c'est pour moi. Il faut appuyer sur F. Mais putain, même quand c'est simple, j'arrive à me gourer. Non, mais c'est... C'est catastrophique, hein. Pourquoi je fais ça? Parce que je vois pas ce que je fais. Mais putain, mais je suis nul. Un scandale. Et je le fais pas exprès, hein. C'est vraiment là, je sens que je suis un peu... Faut pas lancer des jeux quand vous êtes crevé, hein. Même si sur le coup, vous dites, ah, c'est une bonne idée, ah, le jeu me chauffe, ouais. Quand t'es crevé, bon bah, t'es crevé, hein. On s'attrape un poisson 2. Qui grogne par là? Vous avez grogné, monsieur? Allô? Cabine. Quête. Le collectionneur. Deux planches et deux unités de ferraille. Ok. Carte. C'est tout droit à gauche. Let's go. Ça part. Sélectionner la capacité avec E. Non. Utilisant maintenant. Lumière. Bah non, je l'ai pas. Je veux que la vitesse à votre moteur, mais augmente la panique et la chauffe de votre moteur. Sélectionner avec E et utilisant en maintenant clic droit. Bah je l'ai pas. Corne de brume, longue vue, quasi à crabe. Je n'ai pas ta capacité nulle. Déjà vu, déjà pêché, on connaît déjà. Avec mon petit moteur là, ça tousse, hein, quand même. On est quand même pas super large. Ah ! Un bijou ! Intéressant. Du bling. Du mini bling, mais du bling quand même. Les poissons. Et j'avance tellement pas qu'il fait déjà nuit. On est au secours. Oh, y'a un quai. Hop là. Toglyph. Voilà. Tas de matériaux. Ah, c'est l'île où l'architecte souhaite que. Ok, ok. Parfait. Ah oui, d'ailleurs, ça va prendre de la place, ces machins, à ce que je vois. Ok. Ah ouais, c'était 4x4. Ok. Eh bien, dormir. Lever l'ancre. En train de me prendre un mur, là. Ouais, il y a des matériaux partout autour. C'était sûr, hein, c'était sûr. Ah bah, il y a des paves là, allez. Dis-moi qu'il y a de la ferraille. Là, il va y avoir que de la planche. Je veux pas de planche, je veux de la ferraille. Bon, je peux prendre un bijou. Mais. Bon.
Vous avez trouvé le Graal. Cool. J'ai trouvé une coupette. Moi, je veux du métal, toujours, en fait. C'est... Moi... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je fais ça? Parce que je regarde pas ce que je fais. Un rouleau de tissu. J'ai trouvé du PQ. On laissant du PQ ici. Je veux du métal. C'est de la tôle, ça. Oui. Oui, c'est de la tôle. Oh, c'est facile à remonter en plus. Ok, il y a encore de la place, c'est cool. Bon, on va retourner à son quai, là. J'ai envie de jeter le poisson qui vaut 150 balles par-dessus bord, mais c'est quand même pas, peut-être pas la meilleure des idées. Ça vaut peut-être son pesant de cacahuètes. Faut peut-être pas trop faire ça, quoi. Tas de matériaux. Hop. Et hop. Vous avez livré tous les matériaux nécessaires, vous devriez prévenir l'architecte. On va d'abord se faire une sieste, on va se recharger en matériaux et on va partir dans l'autre sens. Allez. Et je vais prendre... Bois, il y en a pas mal. Je crois même d'ailleurs que j'en ai déjà sur moi, donc je vais récupérer le métal. Ah, c'est le plus loin. Le reste de métal. Ah, il me reste une unité de métal sur moi. Ah. Allez, on va se récupérer le tissu. Attends. Je peux le mettre là, à la limite, et je récupère une planche. Allez. On se fait une planche. Poisson turbo chelou, il a déjà disparu. La grande moelle, tout ça. C'est pas à gauche, normalement, si. Ah, il y a encore des îles là-bas que je connais pas. Ok. En avant toutes. Bon, il y a des tas de choses à voir. C'est cool. Il reste quoi comme place là-dedans? Ouais, une place, quoi. Bon, bah... On avance pas vite, hein. Alors, un petit moteur qui tousse un peu, quoi. On se souffrante un peu. C'est-à-dire que tout le reste d'ailleurs de ce qu'on a ramassé ne sont pas des artefacts, donc je vais pouvoir aller les vendre. Ça, c'est bien. Mais le gars, la taille de sa clé, incroyable. Je peux pas te récupérer sauf si un crabe dedans. Le crabe, je peux le récupérer. Parce qu'on avait vu que c'était un truc qui faisait... Vous avez une cale pleine. Rangement parfait. Ok, j'ai débloqué le rangement parfait. Tetris de la cale. J'ai mis une journée entière à revenir quand même, j'avance pas. Et j'ai pas son sort de con. Ou alors j'ai raté un truc. Ouais, ok, super. Ouais, déjà 1 000 000 $. Hein. C'est déjà pas mal en fait. Hein. En vrai, je vois pas trop ce qu'on achète en dehors des réparations. La gardienne du phare, elle marche de la forêt sombre qui porte de la ville. Elle avance vers le quai, l'air confuse. Oh, c'est toi. Qui attendais-tu?
Ton moteur, son bruit était... Désolé, j'ai cru que c'était le bateau d'un vieil ami. Découragée, elle fait demi-tour et part en direction du phare. Salut camarade, oui j'ai ton dernier crabe. En effet. Allez, 61$, le poissonnier enveloppe les crabes et vous tend de l'argent. Parfait, je suis content que ce vieux casier à crabe t'ait servi. Tu peux toujours en acheter d'autres ici ou réparer les casiers usés au chantier naval. Et une dernière requête à te faire, comme tu l'as remarqué, certains poissons du coin développent d'étranges difformités. A ton avis, qu'est-ce qui arrive si on mange la chair d'un de ces mutants? Bah, on tombe malade. Eh bien, peut-être. Mais je vais en être sûr. Je veux en être sûr. Rapporte-moi un poisson mutant, n'importe lequel. Mais que ça reste entre nous. Ok. Ok, ok. Ma réserve... Alors moi, je voulais reprendre l'anneau. Je sais pas s'il faut que j'aie sur moi ou pas les choses, mais je vais aller dans la cale sèche. N'oublie pas que tu n'as pas à trouver tous les matériaux à la fois. Hein. Stocke ce que tu as ici dans la cale sèche. Ah, oui, d'accord. Espace pour pêche pour machin, espace pour filet, espace pour lumière. De toute façon, j'ai pas de boulons. Attends, si, les boulons, c'est peut-être les métaux. Attends, j'ai peut-être ça. Oui, j'ai ça, allez, allez, ça m'égale. Ok, je vois ce qu'elle veut dire maintenant par « tu peux stocker sur place ». Ok. Et 95$, ah c'est gratos. 4 emplacements pour filet. Moi ça me dirait bien, mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, 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 j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut non plus, mais on va commencer le moteur. Terminé. Et la loupiote, faudra la même chose. Ok, bon, on va commencer à mettre un peu de tout partout. Et d'ailleurs, du coup, depuis ma réserve, ok, il faut l'avoir sur soi donc. Ça, je sais pas si ça me donne vraiment de la vitesse en plus quoi. Allez, donne-moi de quoi pêcher des trucs chelous. Ça, c'est mon ami. Hop! On prend tout ce que... On va tout prendre. Hein. Ça n'a pas l'air de coûter non plus une blinde. Donc, l'architecte, tu as fini. Eh bien, inutile de perdre du temps. Allons-y. Ah, je prends la madame avec moi. Adieu, la grande moelle. Bon démarrage, je m'en vais. Bon, d'accord, mais on va quand même faire une sieste, madame. Hein. Non, parce que bon... Voyage de nuit, moi, je veux bien, mais... Alors, on va se lever quand même un peu tôt, parce que nous, on est un peu des guerriers. On y va, quoi. Et on va plein nord, notre histoire... se passe au nord. On dirait le nord. Tout ça, quoi. Ah oui, mon panier à crabe a remonté. Ouais, on remontera sur le retour. Après, c'est... Première vue. On verra d'ailleurs s'il disparaît comme ça. Ah, il y a de la marchandise. Ça, je suis d'accord. Je suis dans ma période de dragon. Il aurait peut-être fallu que... Avant de vous amener, ma bonne dame, il aurait peut-être fallu que... Voilà. Vous voyez le genre de problème que j'ai, quoi. Voilà. Voilà. On va faire un petit crochet, ma bonne dame. On va quand même aller vendre nos babioles en tout genre. Vraiment, on sera des trucs. Commence à prendre de la place. J'aime beaucoup, hein. Je sais pas jusqu'où va nous emmener le jeu. Hein. Je sais pas si d'un seul coup ça va se vider ni rien. Mais pour l'instant, c'est très cool. Le négociant. Bonjour, mon beau monsieur. Bienvenue, tu as trouvé quelque chose de spécial? Ah, oh, ouais, 100 balles, mon gars, j'ai trouvé! 100 balles de cam, pêcheur endeuillé. Bonjour, tout va bien? Vous savez où trouver des épaves? Eh bien, oui. Voyez-vous, mon fils unique a disparu en mer il y a plusieurs années. Il est toujours là-bas, quelque part, dans une de ses épaves, tout seul dans ses eaux froides et sombres. L'homme fait donc son mieux pour garder son sang-froid, mais il tremble de chagrin. Dites,
J'ai remarqué que vous aviez du matériel de dragage sur votre bateau. Si vous parveniez à récupérer certaines de ces affaires dans l'épave, il serait sûrement plus en paix si elle m'était confiée. Il portait une boucle de ceinture en bronze gravée tout spécialement pour lui. Si vous la trouviez, je vous en serais éternellement reconnaissant. Je peux faire autre quelque chose d'autre pour vous ? Non, c'est bon. Bah non. Attends, je vais quand même mater la carte parce que... Certes, j'ai sa quête là, trouver des reliques machin. Oui, trouver la boucle de ceinture. On est l'architecte, l'abonné. Hein ? Et j'ai un truc qui s'appelle une abomination. Je suis pas sûr, monsieur. La petite moelle. Donc là, faut aller derrière la petite moelle. Alors, je crois que madame, je vous ramène pas tout de suite chez vous. Hein. Les de célérité, le moteur. Augmente la panique. Oui, d'accord, mais je fais ça comment, moi ? Ah, ça y est, c'est bon, je l'ai. Clic droit. Ouh ! Ah oui ! Ah ouais, c'est efficace ! Et ça fait quoi quand on arrive au bout ? Ah ! C'est pas une bonne idée. Moteur bizarre HS. Oh, ça va. Bon, hop. Eh ben voilà, j'ai trouvé ton truc tout de suite, monsieur. Alors. Ah, je cherche la barre espace. Super. Vieille chaîne en fer. C'est pas ce qu'on cherche. Un moteur HS. Ah non. Du coup, je fonctionne avec un moteur chelou maintenant. Oula, 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 il se passe un truc, hein. Bon, je sais pas ce qu'on cherche à remonter, hein, mais c'est nerveux, hein. Ouh, putain, c'était sa vieille boucle de ceinture en bronze. Eh ben, mon gars. Quelle ceinture. Il y a du métal là-dedans. Ouais, mais on n'a pas de place. Alors. Certes. Alors, certes. Non mais j'entends les arguments du jeu. Je comprends. Moi aussi dans, dans son cas de figure, je trouverais qu'on commencerait à plus avoir beaucoup de place. Bon, on repassera, hein. Là on est plein. Puis on est en pleine période un peu obscure. Si je mets un petit coup de boost là. Pas sûr qu'il se passe des trucs chelous. Ouais, il se passe des trucs chelous là. Tout se passe bien. Ouf. Le monsieur. Bonjour, tout va bien? J'ai la boucle de ceinture de votre fils. Donnez la boucle de ceinture à l'homme, oui. Vous avez donné la boucle de ceinture à l'homme. C'est la sienne. Merci, merci, vous m'avez ramené mon fils. Oui, mais c'est bon. Tenez, prenez ça, je n'ai pas d'argent à vous donner, blablabla. Bla, bla, du matos. Je vais faire quelque chose d'autre pour vous. Phénomène étrange, je pense pas qu'il en a entendu parler. Je vois pas qui aurait pu. La recherche. Par contre, on va se mettre sur la recherche. Côté au fond. Alors. Alors. Moi, je veux une turbo méga canne à pêche. Hein. Pas de. Pas de. Ok. Dispo dans les magasins. Ok, c'est à moi de faire la recherche, mais c'est dispo. Ok, ok. Je vais pas m'énerver, mais ok. Ah, j'en ai plus. Sad, 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 sad. Ah, ça veut dire que j'aurais pu rechercher un moteur qui valait quelque chose. Oh. Oh. Oh, je peux me le faire rembourser. Oh non. Tiens, un client fidèle. Tiens, prends cette somme. Prends ça comme preuve de ma reconnaissance. Ça devrait sûrement être utile. Il tire un livre d'une pile posée sur son bureau, puis vous le tend. Bien qu'il soit recouvert de poussière, il semble plutôt en bon état. Ah, ça, ça fait plaisir, mon beau monsieur. Ça vous fait plaisir. 7,50$, merci monsieur. Pourriture, état terminal de tous les êtres vivants. J'avais un être vivant à bord. Ah oui, j'avais un petit crabe, je crois. Ben non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est.
J'arrive plus à savoir. On enlève l'encre. Hein. Non, non, mais nous, on n'a pas, le temps. Non, ça va gester. Faut qu'on aille de l'autre côté, là. À la vitesse de pas grand-chose. Non, non, on s'en fout ton panier de crabe, là. Mets de la lumière. Mets de la lumière. Pêche, madame. Hein. Non, mais on en profite, madame, parce que en fait, on est dans un coin que je qualifierais d'assez serein, où en vrai, il se passe pas grand-chose dans la région. Non, on a l'impression, mais... Ouh, il n'y a pas de rocher ici, normalement. Hein. Là, j'ai envie de faire une dingue. Parce qu'il pourrait mal se passer. Coup de chaud, gardez votre jauge de célérité au-dessus de 50% pendant plusieurs secondes, je sais pas combien de temps, mais voilà. Alors, pêcheur, qu'y a-t-il? Vous avez l'air perturbé, c'est le brouillard qui vous mine? Non, ça va. C'est courant par ici, hein, ne vous bilez pas, après une bonne nuit de sommeil, vous serez d'aplomb. Oui, oui, je penserai à dormir. Ne t'épuise pas, il te faut du repos pour pouvoir... Ok, machin, ok, bon, bah, merde, flûte, je voulais dire. Jette-moi ça. Charpentière. D'ailleurs, un peu amoché, je peux le réparer. Ouais, ouais, je veux bien, ouais. Un peu mal, j'ai pris un peu cher. Alors oui, je peux acheter ta nouvelle canne à pêche, elle coûte 460, j'ai la thune. Ah oui d'accord, ça sert à ça le pognon, ok ok. Vendre. Désinstalle, réinstalle. Et là moi ce que je voudrais c'est celle qui fait côte et au fond en même temps. Bam. Alors ça régale ou bien? Ça je vais le déplacer et je vais le placer là. Voilà, au revoir madame, on va à la cale sèche, planche tissu, hop, amélioré. Deux emplacements supplémentaires pour moteur, on va ici, on se cale un machin, terminé. On peut commencer ça ou pas? Non, on peut pas commencer ça, ok, donc ça je vais déposer dans la réserve le dernier bout de métal. Ok, on est pas mal. Je pense on va lever l'ancre. Alors par contre budgétairement je crois qu'on a pris un peu tarot. Entaro Tassadar. Alors on va pas faire quelque chose de très sorcier. On va vraiment pas faire le fou. On va juste récupérer ce panier de crabe. Il y a un truc chez les requins là à pêcher. Tout prendre. Récupérer. Les requins, je peux pas les pêcher, ça va être de l'océan, ça, c'est ça? Ouais, c'est de l'océan. Il y a un truc mystique dessus, hein. Il y a un poisson chelou, je pense, à pêcher. Ok, hop. Madame, je serais vous, je m'inquiéterais. Oula. Tumoral, excusez-moi. Des tumeurs s'agitent et soulèvent les écailles de leur hôte. Depuis combien de temps vit-il ainsi? Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Pauvre petit poisson, certes, mais je m'en bats les couilles. Là, je m'en bats les couilles. Ok. Je m'en tamponne le raie. Je parle pas du poisson. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Tac.
Tac. On a pas d'autre? Dommage. J'avais encore une place. Ça c'est du 3, j'aurais pas la place. Ça c'est du 2, j'ai la place. Ça c'est bon normalement. Quoi, c'est déjà la nuit là? Le jeu considère déjà... Ah, 18h45. Ah ouais. Ok. Ah ouais, j'avoue, le temps passe si vite en fait. Ouh. Tu aurais un des mutants sur toi? Ouais, j'ai. N'oublie pas, n'importe quelle abomination fera l'affaire. Je pense qu'elles sont toutes pareilles à l'intérieur. Bon appétit, ma gueule, hein. Le poissonnier vous prend l'abomination, il la serre contre sa poitrine, les mains crispées autour de son corps visqueux. Oui, ça devrait faire l'affaire. 44$, oui, t'es prêt à payer des trucs chelous quand même, hein. Oui, ça devrait faire l'affaire. Voilà ce que vaut ce poisson. Et prends ça aussi, je ne m'en sers pas. Ah oui, ça par contre je prends avec grand plaisir. Tu entends, on dirait un tout petit murmure. Vous tendez l'oreille. Silence. Dans le calme de la pièce, les mains du poissonnier se mettent à trembler. L'angoisse se lit soudain sur son visage. S'il te plaît, vends ce que tu as à vendre et pars. Je dois m'occuper de cette créature vite. Oui. 112 balles. Allez. Ça par contre... Ah, je peux le vendre. Allez, vas-y. Reprends ça là. Casse-toi avec ton truc pourri là. Ça a chié. Eh ben, je m'en vais. La porte du poissonnier claque derrière vous. Vous entendez le bruit sourd d'une barre en métal qu'on dispose en travers. Grosse ambiance, ma gueule. Alors, non, ça c'est pour la recherche. Ma recherche. Oui. Oui. Et je veux aussi un moteur plus puissant et quasi à crabe. Ouais, ta mère, t'es quasi à crabe de merde. Voilà. Ouais. Nice. Donc là, on peut aller voir. Non, pas toi. La charpentière. Tu veux savoir bien exploiter tes moteurs? Consulte ce livre. Cadeau de la maison. Elle sort un livre d'une boîte à outils proche et vous le tend. Quelques pages sont collées par la graisse. Oh, alors attendez, je sors tout de suite parce que effectivement, je me rappelle qu'on nous a filé des livres. Du bon fonctionnement des moteurs, un esprit paisible. Je vais prendre un esprit paisible. Déjà parce que ça m'a l'air complètement un thème. Voilà. Ça c'était dans ma résa. Ouais, c'est... Oui, laisse-le. Ici, donc on a une nouvelle canne à pêche qui fait côté mangrove. Et on a le gros machin qui fait les océans, là. Moi, j'ai envie, hein. Juste pose-le, quoi. J'ai envie d'aller voir si on peut sortir des trucs incroyables. Moteur, 15 nœuds, 14. En vrai, mon moteur de base, il est pas si pourri que ça. Du 7, vendre. Désinstalle. Je peux que le mettre dans... Que l'installer, je peux pas le vendre. Ah! C'est chiant. Je voulais mettre deux gros moteurs pour voir. Une loupiote. Peut-être commencer à être nécessaire, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Envie d'aller dans ma réserve. De démonter ça, de le déposer ici. Pas apporter plus de mauvais oeil sur moi qu'il y en a déjà. Dormir. Paf. Et voilà. Nous arrivons donc au bout de la trilogie. Les fameux 3 épisodes. Si vous voulez que ça continue, faites-le moi savoir. Bon, ce qui me concerne, je vais commencer en tournée d'avance. Et puis, peut-être que si un jour j'ai rien à mettre, vous les verrez. Ou alors, si vous avez aimé, vous les verrez. Je vous remercie, c'était Knafranc sur Comme d'habitude Gaming pour Dredge. Et je vous dis à la prochaine, peut-être.